Where did we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God gave you style and gave you grace. God put a smile upon your face. Yeah. Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une chanson de Coldplay qui s'appelle God Put a Smile Upon Your Face de leur album Rush of Blood to the Head. Pourquoi est-ce que je voulais faire cette chanson-là? Tout simplement parce qu'elle est chouette à jouer. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, en fait, j'étais en train de bidouiller avec mon ukulélé dans mon canapé. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça, c'est pas vraiment des accords. Typique, en fait, on va plus regarder les placements de doigts parce que l'original évidemment est à la guitare et il a un accordage à la guitare qui est un petit peu atypique. Bref, je vous passe les détails. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on place les doigts, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait la rythmique. On va parler aussi de dynamique dans cette chanson et voilà. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs. On est parti, c'est super fastoche! Super fastoche! Super fastoche! Super fastoche! Super fastoche! Donc pour les couplets, on va pas vraiment raisonner en termes d'accords, on va raisonner en termes de position. Donc ce que je vais faire, on commence sur un accord de Do. Okay, donc l'accord de Do, vous le connaissez, c'est on met son annulaire sur la troisième case de la première corde, comme ceci. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait jouer sur la deuxième et la troisième corde. Donc si on compte 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là, donc ça c'est la première, et ici c'est la deuxième et la troisième. Et on va juste barrer. En fait, cette note-ci va toujours rester, et ces deux cordes-ci, on va les jouer d'abord sur la case 3, et donc pour faire les 3 en même temps, on va juste barrer les 3. Ou si vous préférez, vous pouvez utiliser 3 doigts et faire comme ceci. Et puis, ces deux cordes-là, en fait, on va descendre d'une case, et puis encore descendre d'une case, et puis relâcher, pour faire comme si on descendait encore d'une case. Mais tout en gardant toujours ceci. Okay? Donc, quand moi je le joue, je le fais comme ça. Donc je joue d'abord le Do, et puis je barre les 3. Et puis je barre ces deux-là, et je remets mon Do ici, parce que lui, il doit toujours rester là. Et puis je redescends encore avec le même doigt, et puis je lâche. Hop, 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 hop. Je suis sûr que tous ces accords ont des noms, mais je vous avoue très honnêtement, je ne les connais pas. Je trouve ça bien plus facile de mémoriser les positions de doigts comme ça. Hop, hop, 0, 3, 2, 1, 0, 3. 2, 1, 0. Donc si vous avez une position de doigt qui est plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Hein. Si vous préférez, comme je disais, faire comme ceci, vous pouvez éventuellement faire comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça par exemple. Ça veut dire qu'il faut jouer le Do avec le petit doigt, mais pourquoi pas. Ça peut très bien fonctionner aussi. Oups, pardon. Alors au niveau de la rythmique, on est sur un strumming en 4-4. Donc on compte toujours 1, 2, 3, 4 avec la main, et chaque fois qu'on dit 1, 2, 3 ou 4, c'est un mouvement vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc on va jouer le 1, on va jouer le 2, et alors on va jouer le E, donc le mouvement vers le haut, entre le 3 et le 4. Donc c'est 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que je la joue en Do. Si vous voulez, je la joue avec l'enregistrement originel. Je pense qu'elle est en Do dièse, donc vous devez mettre un capot en 1
Et alors, si vous jouez les mêmes gestes, à ce moment-là, vous serez en harmonie avec le, je veux dire le CD, mais avec le, ouais, avec l'enregistrement. Donc voilà, ça c'est en tout cas la rythmique qu'on va faire au début de la chanson. Maintenant, l'idée de cette chanson aussi, c'est que comme pour les couplets en tout cas, c'est tout le temps les mêmes accords qui se répètent, on va plus jouer sur la dynamique. C'est-à-dire qu'on va jouer certains passages un peu plus calmes, avec un strumming un peu plus simple, et puis quand on va passer aux sections suivantes, on va jouer un petit peu plus de notes, et puis pour à la fin de nouveau retomber sur quelque chose de très simple. C'est ça qui va faire que on va se donner de l'amplitude tout en gardant toujours les mêmes accords. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, donc, après avoir fait le 1, 2, et 1, 2, et, vous pouvez jouer aussi le 4. Vous pouvez faire 1, 2, et 4. 1, 2, et 4. Jouer le dernier et, on peut faire 1, 2, et 4, et 1, 2, et 4, et 1, 2, et 4, et 1, 2. Alors, pour le refrain, on va faire une petite coupure, je vais vous montrer les accords du refrain, et puis on est parti. Si la vidéo vous a plu jusqu'ici, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide parce que du coup ça aide l'algorithme YouTube à proposer ma chanson à plus de gens et voilà, c'est bon pour ma chaîne, c'est bon pour moi, merci beaucoup. Alors pour les accords du refrain, ça va être très rigolo parce qu'on va jouer avec des accords qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup exploités ici. Alors le premier qu'on va jouer, c'est un La bémol. Alors le La bémol il est un petit peu embêtant, donc je vais vous proposer une version un petit peu simplifiée du La bémol. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre une position de sol, pas de sol 7, hein, donc de sol, donc si on compte 1, 2, 3, 4, ici on est sur la deuxième case de la première, sur la troisième case de la deuxième, et sur la deuxième case de la troisième, et on va prendre cette position-ci, et on va la jouer une case au-dessus. Ok ? Donc ici, ça c'est un sol, et si on bouge tout une case au-dessus, c'est un La bémol. Alors, très important, quand on joue le La bémol ainsi, c'est de ne pas toucher à la quatrième corde. Okay. Ce que moi je fais, c'est que je mets mon pouce ici, juste pour l'assourdir, juste pour qu'on l'entende pas. Et en fait, on va jouer juste les trois premières cordes, en fait. Okay. Donc là, vous avez un La bémol, puis on va jouer un Mi bémol. Le Mi bémol, c'est pas un accord super compliqué. Okay. On va prendre son index, on va le mettre sur la case 1, et puis on va mettre ici sur la case 3 et 3. Ça, c'est un Mi bémol. Et puis on va faire un Fa. Et le Fa, ça je vous l'ai déjà montré, c'est hop, comme ceci. D'accord, donc La bémol. Donc c'est un Sol, mais une case plus haut. Et on ne joue pas sur cette corde-ci. Puis Mi bémol. Fa. Évidemment, quand on sort du refrain, on est reparti sur le Do. Okay. C'est des accords qui sont un petit peu nouveaux, donc prenez le temps de vous familiariser, surtout avec celui-ci où je vous demande de jouer qu'avec trois cordes, c'est un petit peu bizarre. L'alternative, si vous voulez le jouer vraiment sur les quatre cordes, c'est de le barrer en fait, hein, donc c'est de faire ceci, et en fait c'est comme une position de Fa avec un barré sur la troisième case. Ça, c'est le La bémol au complet. Mais au final, comme cette note-ci et cette note-ci se répètent, bah, en fait, juste avec ces trois cordes-là, on a suffisamment d'harmonie pour faire l'accord. Allez, go, 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 go! Alors, la rythmique du refrain, comme c'est la batterie, en fait, est très carrée. Hein, c'est...
Et donc on peut très bien faire ça au ukulélé aussi, c'est-à-dire marquer vraiment les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est suffisant en fait, ça va vraiment donner ça va faire la différence entre le strumming que vous faites au couplet et le refrain qui est un peu plus fédérateur, qui est un peu plus ouvert. Quoi. Donc on est parti sur la bémol. Dernier refrain, on peut aller encore un petit peu plus loin, on peut faire un petit mix entre le refrain et les couplets, c'est-à-dire qu'il faut le bam, 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 et aussi un petit peu de quelques petits retours. Donc on peut faire 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. C'est ça qui est chouette aussi, point de vue terrain de jeu, j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez vraiment, comme la chanson à la base n'est pas au ukulélé, vous avez vraiment champ libre de faire vraiment comme vous voulez. Et donc c'est vraiment très gai de se pousser à vraiment faire des dynamiques différentes. Quoi. C'est-à-dire vraiment, sur le refrain, on peut vraiment y aller. Et puis quand on ressort, on peut aller tout doux, quoi. La chanson termine sur le dernier, sur le quatrième accord de la séquence du couplet. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez tous les éléments pour apprendre à jouer la chanson. S'il y a d'autres chansons qui vous feraient plaisir, où vous vous dites, voilà, c'est pas une chanson à la base au ukulélé, mais j'aimerais bien avoir une adaptation au ukulélé, mettez-moi un petit commentaire, je serais ravi de faire ma petite enquête et voir ce que je peux faire pour vous. N'oubliez pas que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps. Au moment où je filme ceci, on est début janvier, c'est la saison des bonnes résolutions. Donc si votre résolution est de faire plus de ukulélé cette année, une des choses que vous pouvez faire, c'est télécharger ce guide. Le lire, c'est une petite lecture rapide, c'est des petits trucs hyper pratiques, pragmatiques, qui vous permettent justement d'un petit peu... vous focalisez sur l'essentiel, c'est-à-dire que quand vous avez un petit peu de temps, parce que vous n'en avez pas beaucoup, quand vous avez un petit peu de temps pour faire un petit peu de ukulélé, s'assurer que le peu de temps que vous avez, que vous le mettez vraiment à profit et que vous ne perdez pas, vous passez pas votre petit quart d'heure, demi-heure à tourner en rond et à faire n'importe quoi. Donc voilà, je vous invite à télécharger ça, c'est tout à fait gratuit, je mets le lien dans la description ici en dessous. Et si vous regardez ceci en janvier 2022, écoutez, je vous souhaite une excellente année. Si vous regardez ceci plus tard en 2022, vous me direz un peu ce qu'est devenu la planète. Mais dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Au revoir.